Ravi de vous accueillir. La campagne célèbre tous ceux qui, au quotidien, poursuivent ce rêve malgré les obstacles qu'ils rencontrent tous les jours. Des rêves, j'en ai plein. Mon rêve aujourd'hui, c'est d'être sur la ligne de départ au Rallye des Gazelles 2018. C'est de participer aux JO de Tokyo ou de Paris 2024 dans le sport qui est le judo. Je crois que ça a été une vraie source de motivation de me retrouver face à pas mal d'obstacles. Un obstacle, c'est peut-être les autres. Voir un manque de confiance. Peut-être que je me donne pas tous les moyens pour l'accomplir encore. Il manque peut-être un petit déclic, une prise de conscience. Allez, c'est parti! Allez. C'est important d'avoir un rêve parce que ça donne un objectif, ça permet d'avancer, de regarder loin, de se fixer des étapes à franchir et quelque part c'est une source de motivation. Allez, on s'accroche. C'est vraiment un challenge. On va continuer avec du yoga. La boxe, ça permet dans les situations difficiles à garder le cap. Le yoga, ça permet de rester concentré sur ses objectifs. Je me sens apaisée, en adéquation avec mon corps et mon esprit. Là, je suis boostée, mais comme c'est juste pas permis. Sarah inspire beaucoup. Elle montre qu'en effet, tout est possible avec de la détermination, de la passion, de la volonté. J'ai envie de prendre exemple énormément, en fait, sur elle. J'ai fait de la boxe pendant 4 ans et donc j'ai arrêté parce que j'ai été aussi une heureuse maman. Et ouais, je me demande pourquoi j'ai arrêté, vraiment. Pourquoi j'ai pas fonctionné en deux poids deux mesures. J'ai trouvé qu'il y avait une belle énergie, beaucoup de dynamisme et d'enthousiasme. Elles sont venues prendre une bouffée d'inspiration et je crois que j'en ai eu autant qu'elles. La force, je vais me la donner, quoi qu'il arrive.